Salut, salut. Y a un défi qu'on pourrait essayer de faire, si tu veux, le défi là où il faut être. Il faut atterrir à un endroit spécifique du jeu et puis. Je crois qu'il faut atteindre le top Ah, 20. les ruines de Cocoon. Ouais. Facile ça. Enfin, si. Voilà, faut faire top 20. C'est jouable. Ah, au fait. Alors, bon, c'est pas encore fait officiellement, mais. C'est pas encore très officiel, mais normalement, le 10 juillet, je devrais commencer ma formation. Donc, ce serait du lundi au vendredi, matin. Parce qu'il nous laisse l'après-midi pour faire ce qu'on veut. Et donc, ce serait ça pendant 6 mois. Alors, Ah non, j'ai mais que six. le matin. Ah non, 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 je bosse toute la journée. En fait, c'est du lundi au jeudi. Toute la journée, et il n'y a que le vendredi ou c'est que le matin. Bon, ça va. Et donc voilà. Et donc là, tout à l'heure, je l'ai appelé parce que, enfin, bref, oh, à vrai dire, je le fais pas pour l'argent parce que j'aime pas trop qu'on insinue que je fais ça pour l'argent. J'aime pas trop ça, mais bon, bref, je fais surtout ça pour que Pôle emploi voie que je fais ce machin, même si je sais qu'au bout du 6 mois. Il y a de fortes chances que je sois dans la même situation que je suis là. Mais bon, voilà. Je le fais quand même parce que tu vois, comme c'est pour m'en dire, ouais, vous faites rien, machin. Comme je fais. Hein. En plus, il me demande des documents, mais des documents qui. On peut même pas pourquoi il me demande. Il me demande un document, il me demande un papier, c'est pour savoir depuis combien de temps je touche le RSA. Alors là, j'ai trouvé un papier dans mes papiers, pour m'en dire. J'ai regardé dans mes papiers, c'est pour le RSA, pour savoir la date. Alors, je lui ai donné un truc que j'avais imprimé, un truc de caution, c'est caution de paiement, tu sais, gestion de paiement, j'ai dû imprimer ça parce que j'en avais besoin pour faire je sais pas quoi. Alors, ça date de 2013. Parce que moi, quand j'ai prélevé ça, c'était le RMI. Donc, ça s'appelait même pas le RSA. Mais bon, bref, il n'est pas obligé de savoir que. Hein, il n'est pas obligé de savoir ça. Il n'est pas obligé de savoir. Donc je vais lui donner le seul truc que j'ai, qui remonte que j'ai trouvé. Hein. Après il me demande quoi? Il me demande un avis de situation à Pôle emploi. Alors ça, il y a qu'eux qui peuvent donner ça. Ah pourquoi il me donne ça? Même si demain Pôle emploi il me demande mais qu'est-ce qu'ils ont. Pourquoi qu'ils vous demandent ça? Bah demandez-leur. C'est le DAC que je vais faire au mois de juillet, le 10 juillet, donc bah demandez-leur. Demandez-leur. J'en sais rien. Voilà. J'en sais fiche rien. Je sais que j'avais fait du même style à. Ça se faisait ici à Jauny, aux formations qu'on a ici à Jauny. J'avais fait la même chose et je me rappelle que le seul papier que je donnais. Ces informations que j'ai données pour qu'il me paye, j'avais quoi? J'avais le RIB, parce que bon, forcément, s'ils n'ont pas mon RIB, voilà. Bon, mon RIB, c'est normal, on va dire, c'est logique. Et ils m'ont jamais demandé que je leur donne, tu sais, un truc de paiement de mon premier versement RSA. Comme ils m'ont jamais demandé un truc de situation, un relevé de situation pour l'emploi, enfin. Ils m'ont jamais demandé tout ça, quoi. Ils m'ont jamais demandé. Puis là, pourquoi? De toute façon, c'est simple. Hein, de toute façon, difficile. Moi, je vais lui donner ce que j'ai. Et s'il me titille un peu trop la tête en me disant, ça, c'est pas ça. De toute façon, c'est ça ou rien. J'ai, hein. De toute façon, c'est ça ou rien. En tout cas, avec lui, il manque toujours un truc, de toute façon. Ah oui, non, mais je suis. Ah oui, non, mais je suis comme il marche. Hein. Non, mais le problème, c'est. En plus, normalement. Parce que. Attends, bah, en plus, ce machin que je vais faire que je fais 10 là. Normalement, si je devais. À la réunion d'information. Enfin, je me rappelle, à la réunion d'information, il a parlé du 12 juillet. À l'information. Là, tout à l'heure, je l'appelle pour. C'est pour. Enfin, tout à l'heure, je l'appelle. Je lui dis s'il voulait encore de moi, parce que comme je lui avais montré que d'après lui j'étais pas motivé pour faire le truc, et puis parce que en plus je lui avais dit que c'est surtout branlant, parce que
C'est vrai que moi, tous ces machins-là, moi, au nez, je le sens, tu vois, au nez, je le sens. Donc, salut, Oh là, putain, c'est en fait, c'est une pharmacie, c'est le DAC. Bon. Je vais faire un peu de pub, hein, mais... Je vais faire un peu de pub, mais... en fait, c'est le DAC 2.0. Alors, le DAC 2.0, je sais pas si tu... Bah, de toute façon, tu peux pas connaître, parce que le 2.0... En fait, le DAC 2.0, c'est... Ça concerne que la région où j'habite. Enfin, d'après ce que lui nous a expliqué, parce que... D'après ce que lui nous a dit, le DAC 2.0, c'est que pour la région de Bourgogne. C'est vraiment que ici. C'est pas... Par exemple, si t'es en... Je sais pas, moi, si t'es en... Si t'es en... Je sais pas, moi, en... Par exemple, si t'es à Paris, si t'es à Marseille ou Nice, machin, non, t'auras pas ça. Ça, c'est vraiment que pour la région... Que pour la région Bourgogne. Non, non, c'est pas pour les vignerons, non. Bah, en fait, ça, alors, c'est censé que si t'es comme moi, t'es en reconversion. En fait, c'est censé te. C'est censé t'aider dans ce que tu veux faire. C'est censé t'aider à ce que tu veux faire. C'est censé t'aider à ce que tu veux faire. C'est-à-dire, si tu veux faire. Bah, si tu veux faire, je sais pas moi, comme moi, travailler dans l'informatique, etc., ou n'importe quel boulot. C'est à partir de. C'est à partir de 16 ans. Tu peux aller là-bas à 16 ans. Bon, ça commence à 16 ans. Bah, je voudrais me reconvertir dans l'informatique. Ou dans tout ce qui touche à l'informatique. Voilà. Et donc... c'est qui s'occupe de moi, là, actuellement, là, qui... Bah, c'était pareil, c'était pour une durée de 6 mois. Bah, je suis allé au forum de l'emploi qui s'est déroulé ici à Juni. Et moi, quand j'ai vu ce machin, je suis passé à côté... Je suis passé à côté, et puis bon, je voyais que ça allait rien m'apporter de plus, parce que bon, etc. Et donc, celle qui s'occupe de moi, elle m'a vu, quand elle m'a vu de ça la première fois, elle m'a dit, mais ouais, vous avez rien appris, etc. Alors, c'est presque elle, entre guillemets, qui m'a presque forcé la main à aller dans leur, à aller dans leur stand. Et donc, voilà. Donc, si je fais ça pendant 6 mois, parce que ça dure 6 mois, si je fais ça pendant 6 mois, c'est juste pour que pour l'emploi, voyez. C'est juste pour que Pôle emploi voie que je fais quelque chose, que je reste pas chez moi à rien faire. Voilà, mais ça, mais le problème, c'est que ça pendant 6 mois. Vu le programme, que. Bah, qu'on va faire. Malheureusement. Ouais, va bien. Enfin, bref. Donc, voilà. Mais c'est pas pour les vignons, hein. C'est pas pour les vignons. En fait, là, le titre de leur truc, DAC 2.0, c'est la solution pour identifier, construire et réussir votre projet de formation. Ok, hein. Ok, Guillaume, ça va. Salut, DAC, tu vas bien. Ouais. Tu vois, tout ça se dépliant pour faire ce qu'on va faire pendant 6 mois. Hein. Ouais, juste pour ça. En plus, pendant les 6 mois, et c'est là où je rigole, c'est que pendant les 6 mois, ils ont prévu de nous faire faire des stages de 3 semaines. Alors moi, les stages de 3 semaines, j'ai quelque chose. S'ils arrivent à m'en trouver deux, les stages, je leur souhaite du courage, parce que moi, quand j'ai fait de mon côté, j'ai pas trouvé. En plus, ils sont très cons, parce que ils nous laissent que le vendredi après-midi pour faire ce qu'on veut, c'est faire les démarches pour les stages, mais vendredi après-midi. Mais trouver un stage un vendredi après-midi. Oh. Normalement, tu commences ça en début de semaine, pas en fin de semaine, et sous mardi. Parce que vendredi après-midi. Donc là où moi je les attends au portillon, on va dire. Là où moi je les attends. C'est pour le stage. Parce que moi j'étais au gars. Non, 8h30. 8h30. Non, parce que moi je suis au gars. J'ai moi pour les stages, c'est ça qui me fait un peu peur. Parce que les stages, dans le domaine que je veux faire, t'as le mec qui m'a dit, oh mais vous écoutez pas, je m'inquiète pas pour ça.
Si t'inquiète pas. Par contre, il va pas falloir qu'il me cherche des poux en me disant oui, vous avez pas trouvé de stage, machin. Je dis ah, hé, hey, oh. Moi, je vous ai dit, je vous ai prévenu. Moi, je vous l'ai dit, je vous ai dit dès le début que pour trouver un stage, ça allait être galère. Vous m'avez répondu quoi? Oh, mais de toute façon, c'est pas un problème. Bah, parce que... Ah bah, si c'était si facile, Chrome Star, je ferais pas ce truc de 6 mois qui va me servir à rien. Bah si, c'est si facile. Bien. Parce que le problème, c'est que dans la Bourgogne où je suis, dans la région où je suis, il te donne une formation. Quelle est la condition que toi d'ailleurs, tu fais une semaine d'immersion, comme j'avais tenté de faire avec l'AFPA. En fait, quand tu veux faire quelque chose comme ça, en fait, il faut que toi tu fasses de ton côté une semaine d'immersion ou un stage dans le domaine que tu veux faire, pour qu'après que eux ils voient, bah tiens, ça te plaît, donc machin. Tant que t'as pas fait ça, t'as rien. C'est comme le permis, pareil. C'est comme le permis. Moi étant au RSA, j'ai le droit. J'ai le droit d'être aidé pour le permis de code. Même pour te financer pour ça, c'est même pas eux qui te financent, même si t'as un projet à la fin. Même si t'as un projet sûr et certain qu'il est souligné, etc., c'est même pas sûr qu'ils te le financent. Or que pour l'emploi, ils te disent bien, si votre projet il tient la route, etc., on va vous le financer. Apparemment ta région elle est plus généreuse que l'autre. Hein. Pas ici. C'est Val. Ouais, mais peut-être que l'île c'est dynamique, mais. Joigny, Sens, Migène, ils sont moins dynamiques que ça. Hein. C'est qui, Thomas? Voilà, voilà. Ah, bah voilà. Et voilà. T'arrives au seulement le défi, c'est bien. Je sais pas, j'ai plein de trucs, mais. C'est bien. Et voilà. Ça, c'est parce que je sais pas de chance. Attends, j'ai mon maillot. Oula, enlève ton maillot. Oula. Strip. Mais bon, bref. Voilà. En plus pour aller là-bas, tout à l'heure j'ai. Ça y est, mais ça grimpe bien. En plus pour aller là-bas, à la formation, apparemment ça va être un truc qu'on a ici à Joigny pour quitter justement, pour aller d'un point à l'autre. Alors normalement, celle qui s'occupe de moi là, actuellement, elle a rempli les papiers pour la prestation normalement, parce que. Ils sont censés me rappeler pour confirmer, mais. Ah, bref. Ouais. Je t'invite. Ouais. Attends, que je vois ici. Tu veux jouer avec nous, Mister? Est-ce que tu veux jouer avec nous, Mister Gamer? Parce que si tu veux jouer avec nous, il va falloir qu'on se mette en chat du jeu.
même à la fin, quoi. Ok. Bah, je t'aurais demandé, hein. Bon, allez. Bon, faut que tu vas te faire. Il y a moyen. T'as Thomas qui veut jouer avec nous, bébé. C'est qui Thomas? Ton frère, non? Je crois. Allez, vous tout skin. Tu crois? Tu crois? Tu sais même plus. Tu sais même plus si c'est ton frère. Thomas, c'est ton frère aussi? Non, je crois que c'est le joueur. Bah oui, il est pas jeune. Mais c'est quoi? C'est un joueur PC, Xbox, quoi? PS4, PS5? Je sais pas c'est qui. Ton machin, comment tu as débloqué ton skin tout là? Bah, je crois que c'est en le débloquant dans le pass de combat, je crois. Bah non, moi je l'ai... Alors là... Où j'ai dû faire... Où j'ai peut-être dû faire un défi... Où j'ai peut-être dû faire un défi, puis j'ai gagné ce coin-là. Oh, de toute façon, j'ai changé. Voilà, hop là. Qui est que t'as un ami, moi? Ah, attends, je t'habite. Mais non, pourtant, il est pas dans le poste de combo ton truc. Ah, c'était des filles, non? Peut-être, oui. Bon. Là, il est sur quoi Attends, je l'ai invité, attends. Bébé, invite Thomas, c'est MGW, qui est de bot Thomas. Attends. Ah, t'as fait des filles, ok. Tu m'as dit quoi là? M... W... W... Non, MGW. MGW... Tiré du bot, Thomas. Tiré du bot, Thomas. Avec un S à la fin. Et comme Thomas, quoi. Bah, il trouve pas. Bah, tu l'as en mieux, apparemment. Attends, je l'ai. Ah bah ça y est, là, bah c'est, voilà, bon. C'est bon. Ah viens, on va dans le truc d'amis, pourquoi là? On va en jeu. Bah ouais. Ah, fait chaud. Oh, ouais. Attends. Il y a quelque chose qui se fait. Parler, c'est bon, parler. Quelque chose vite fait. Je vais redonner les paramètres pour un truc juste vite fait. Le général, son, discussion, tout le monde, tout. Pas la bonne. Je t'en vais là. Ok. Bon. Hop. Et hop là. Mais voilà.
Demain. Tac. Ah, parce que j'ai voulu regarder, mais non. Ça marche pas. Bon, allez, c'est parti. On va profiter pendant que la connexion déconne pas. Pas ma connexion. OBS, moi. À moi. Ah, parce que OBS, depuis. Oh, on sait pas ce faire, c'est orange. Ouais, parce que depuis quelques temps, OBS, tous les soirs, je sais pas ce qui arrive. Non, moi, c'est. Maintenant, c'est pas tellement impossible, quoi. Moi, c'est. C'est surtout OBS, parce que OBS, il me fait des pattes d'image, donc il y a. Sauf si le serveur de Twitch déconne. Et si le serveur de Twitch déconne, mon OBS ça marche par serveur. Apparemment, Cassette tout à l'heure, il me disait qu'il connaissait un ami à lui qui avait le même problème, c'est-à-dire qu'il avait une très très bonne connexion et des faits, il avait des pertes d'image hyper hyper élevées, qu'il avait une très bonne connexion. Mais Microsoft quand même, il faudrait quand même qu'ils fassent comme ce qu'ils font pour Rocket League, Valdez, mais qu'ils le fassent pour tous les jeux. Il y a que le son de. C'est les tâches de. Ah ça. Oui, il faut que tu fasses ça. Oui, c'est facile ça. Bon, en fait, il faut que tu tombes sur un tableau où il y a une espèce de loupe. Et là, t'as des. Mais là, pour que ce soit facile, tu peux faire absolument ce que j'ai fait. Ils vont te demander soit d'ouvrir des coffres, soit tuer un mec. Et moi, généralement, je l'ai fait 4 fois, j'ai pris tuer un mec. Ça, c'est. Le mec, c'est pris. Tuer un mec comme ça. Et même si tu le tues pas, c'est pas grave. C'est... S'il y a un mec dans la partie qui tue à la place, ça va te mettre contre à voler, mais ça va quand même me coûter. Donc. Ça va. Le problème, c'est que non seulement il fait chaud, et en plus, il fait de l'orage après. Et le problème c'est que quand il pète, et ben il fait encore plus chaud après. Donc ce qui fait que ça ne. Ça va. Au Japon ils ont des températures jusqu'à 40 degrés. 40. Ouais, ben. Ben comme dit ma mère, de toute façon. Avec toutes les conneries. Ah tiens, Alan, il est où ? Tu vois là le tableau qui est en face de moi, tu vois le tableau qui est en face de moi là-bas. Ça. En fait, tu vas cliquer sur. Tu vas machin, ils vont demander soit les coffres ou tuer quelqu'un, et en fait, tu choisis tuer quelqu'un. Ah bon ? Bon, bah, tu sais qu'un jour. Bah, hein, ça part là. Ah oui, mais attends. Ah oui, mais il faut fouiller. Ah oui, mais attends, il faut. Et voilà. Mais, en fait, les coins chauds, bah, c'est les coins où tu dois. En fait, il faut que tu ouvres. En fait, il faut que tu ailles dans 5 coins chauds. Il faut que tu ailles dans 5 coins chauds. Bah tu dis coin chaud, c'est là où il y a le truc, tu sais, où tu prends un coin. Bah oui, pour eux c'est un coin chaud ça. Oui, pour eux c'est un coin. Oui, où t'as le drapeau là. T'as le drapeau ce machin. Bon. Et bah ça pour eux c'est un coin chaud. Creepy c'est un coin chaud. Je crois même que l'autre là. Le temple là, ça aussi c'est un coin chaud. Il y a quoi encore? Frenzy machin.
point chaud. Ah, tu vois. Ouais. Eh, c'est où ça? C'est avec point chaud. Là. Ouais. Là. Donc, C'est vrai que si t'avais choisi de tuer un gars, ça aurait été vite. Ça aurait été plus vite. Ah bah non, faut le faire en 2,54 là, 2,53. Je vois là, moi, je... à 5 sur 5, maintenant, apparemment, il y en a qui t'a... Ah, je sais pas comment... Apparemment, il y en a qui a réussi. À toi, apparemment, t'as dû réussir. Non, mais pour les coffres, il y a dû en... Parce que moi, le problème, c'est que... C'est moi, le problème, c'est que quand j'ouvre les coffres, moi, quand j'en ouvre un dans un coffre... Dans un coin chaud, bah, le problème, c'est que ça va me coûter 1. Tiens, là, tiens, regarde là, Là par exemple. Regarde là. Tu peux mettre en face dessus. Et là tu fais tuer un gars. Et même si tu le tues pas, si y a un qui tue à ta place, ça va quand même te le monter. Là. Alors, comme je sais pas pinguer. Et à côté t'as là. Voilà. Voilà. Donc si tu arrives à le tuer, bah ça le compte, ça va pas, c'est pas grave. Si par exemple moi je le tue. Si par exemple moi je le tue, bah ça va te le compter quand même pour toi. Oui, tu vois. Mais comme je suis un boss et que je le tue. Ouais, mais je suis un boss, quoi. Je suis un boss. Quoi? Ah! Oh, tu parles de moi, ouf! Ah, oh, ouais, ouf! Si, Ah, carrément. À ce point. Je veux dire que ça soit TikTok, que ça soit Twitch, parce que c'est aussi un des critiques. Oh bah moi, oh tu sais. Et moi on se fout de ma gueule aussi au niveau de mon travis, moi c'est. Bah le problème c'est que les. Le problème, c'est que si t'as un petit handicap ou un petit. Pourtant, pas grand chose, hein, que bon. Que c'est qu'on aille. Que c'est qu'on aille les voir, bah, ils vont te. Bah, voilà, quoi, ils vont te. Mais bon, bah, oui, enfin, t'es pas obligé de justifier, mais. Je veux dire, ouais, c'est. J'ai envie de te dire, ouais, c'est. C'est même pas. Parce que en général, ceux qui se foutent de ta gueule par rapport à ça, c'est que eux, soit ils ont une tête vraiment. Soit ils ont une tête vraiment 100% de. Tu sais, moi, tu sais, quand je vois sur Twitch des jeunes qui se montrent très très près de la caméra en zoom hyper hyper près, je me dis, mais ils ont de la chance d'avoir une tête avec zéro défaut, zéro bouton, zéro machin. Zéro acné, etc. Parce que s'ils avaient de l'acné sur la tronche ou comme moi des boutons plus ou moins voyants, bah, peut-être qu'ils se montreraient pas aussi près de la caméra. Donc là, normalement, t'es à 2 sur 4. Normalement, t'es à 2 sur 4. Logiquement, t'es à 2 sur 4. Et... Yep.
Y'a plus de bottes. Oula, oula, attends, pour t'as autant, parce que j'ai l'impression qu'il y en a un qui a failli me tirer dessus au sniper. J'ai l'impression qu'il y en a un qui a failli me tirer dessus au sniper. J'ai entendu comme il y a un petit peu. Ah, c'est qu'avec Mr. Game Boy, avec Mister, une fois, il était pas devant son écran, il était en train de faire un truc, et puis je le voyais. Puis à un moment, je dis, oh, toi, tu vas te faire tuer. Ah bah ça a pas loupé hein, ça... Il y en a un, il l'a visité deux fois, il a même pas diffusé le truc. Fait petit. Ah tiens, Alan. Tu te rappelles de Recta, Alan? Elle m'a demandé tout à l'heure si éventuellement, alors bon, je connais ta réponse et bon, j'ai pas dit. Elle m'a demandé si éventuellement ça te dirait de jouer avec elle. Oui, toi. Enfin, toi, moi et elle. Bah, toi, moi et elle. Et un autre. Toi, moi et elle et un autre. On sait quatre. Mais vu. Mais vu ce que tu m'as dit d'elle, je me suis dit, pas ce qu'il va y avoir. Ah, tu te rappelles de... Ah. Et donc, vu ce que tu m'as dit d'elle, je me suis dans ma tête, je me suis dit, on a mis... Parce que lui aussi, parce qu'elle aussi, son pote, elle m'a dit, ça va dépendre de machin. Et donc, moi, quand elle m'a dit ça, j'ai fait, bah, moi, ça va dépendre d'Anne. Ah, donc, tu vois, c'est... Donc, c'est même pas sûr que son ami veuille jouer avec lui, tu vois, c'est même pas sûr. Donc, voilà. Peut-être sur un malentendu. Ou pas d'ailleurs. Donc moi je lui ai demandé, hein, je lui ai pas dit oui, je lui ai pas dit non, je lui ai dit je pose la question à Alan. Et on serait passé avec elle, hein, on serait avec un ami elle aussi. Hein. On serait quatre quoi. Toi, moi, elle et puis Alan. Mais bon, vu les horaires avec qui il joue, de toute façon, ça serait pour son entraînement jouer à Fortnite, ça me... sûrement. Mais voilà. Donc je lui ai pas dit oui, je lui ai pas dit non. Ouais. Je lui ai pas dit non. Donc voilà, on verra. Mais tu sais que tu dis que t'as arrêté TikTok parce que vis-à-vis des commentaires derrière son compte le disait. Mais c'est là, tu sais, Lindsay, elle faisait des lives TikTok aussi. Tu sais celle qui s'est pendu. Hein. C'est un game. Et tu sais, la gamine qui s'est pendue. Bon, bah, elle faisait des lives TikTok aussi. Et apparemment, elle s'en prenait aussi plein la tronche. Et bon, apparemment, elle s'en prenait peut-être trop sa tronche. Et puis, bah, je préférais. Elle avait 13 ans, hein. 13 ans, si t'es pas forte, par rapport aux commentaires qu'on peut te faire à 13 ans. Un peu dur, hein. Bon, je sais pas ce que t'as, Thomas, mais. Présent. Ah oui, zut. Oui. À 17 ans, tu réagis pas pareil qu'à 13, hein. 13 ans. Ah. Oh, bah, c'est. De toute façon, ceux et celles qui l'ont. Ils l'ont poussé à faire ce qu'elle a fait, de toute façon. Je crois qu'ils sont passés au tribunal le lendemain, je crois. Que le lendemain, ils sont passés au tribunal. Donc,
Comme c'est des mineurs, bah ils vont sûrement passer au domaine des mineurs. Et ils font certainement pas le présent, ils font peut-être une école de. Pas une école, mais un truc de. Comment on appelle ça hein? Ouais. De correspondre au classement. Ils pourront faire autant de maisons de redressement que de maisons esquivales, de toute façon ça ramènera pas. Malheureusement ça ramènera pas unité. Malheureusement. Donc voilà. Malheureusement ça ne ramènera pas. Mais bon. Bah moi à mon époque, si tu vois à mon époque, Non, c'est bon. Je peux parce que moi j'ai les armes, c'est bon, c'est bon. Moi à mon époque déjà, il y avait pas. Je crois qu'il y avait Twitter, mais bon, c'était pas comme Twitter maintenant. C'était les débuts quoi, c'était les débuts. Si, à l'époque, nous, ce qu'on avait, bon, c'était moins que maintenant, mais à l'époque, ce qu'on avait, nous, c'était les Messenger, c'était les salons de chat, tout ça, les salons de chat, IM. IM, c'était une messagerie que moi et ma mère, on utilisait. Il y avait IM, il y avait enfin, tous ces machins. À l'époque, c'était même AOL, à l'époque, ça s'appelait même pas IM, ça s'appelait AOL. C'était AOL qui faisait. Il y avait aussi des chats sur chatroom de et quoi de peut-être d'orange hein. Ah mais il y a encore. Oh c'est pas si vite ça mais Skype ça existe encore hein. Évidemment ça s'est amélioré évidemment. Oula, t'es où? Ah ouais, mais attends, c'est loin. Oula, c'est loin. Oula, attends, ils sont loin, les mecs là. Oula, ah ouais. Oula. Merde. Ah mais ils sont loin. Oui, la matière de parce que il y a qui m'a. Oula, apparemment. Oui, mais attends, on prend pas de ça. Oui, c'est bon allez, quand on est là, et puis après on va sur le cachet, ouais. On est parti, et puis après.
T'as pas idée, moi, avec les casques que j'ai autour du cou. Entre les casques sur la tête. Bon, moi, j'ai pas froid, moi. Moi, j'ai pas froid. Et. Tu sais que moi, je pourrais pas faire DJ, hein. Parce que dans les DJ, entre leur table de mixage, entre les éclairages qu'il y a à côté, il y a. Tu sais, comme fait David Guetta, tu vois, les éclairages au sol, etc. À la fin du concert, à la fin de la soirée, il doit en avoir, mais. En plus, ils font ça dehors, en plus. Alors, ça compte pas. Hein. Tu sais, ce que je faisais, moi, où j'habitais avant. Tu sais ce que je faisais, moi, où j'habitais avant. On avait une grande forêt. On avait une très grande forêt où j'habitais avant. C'était une forêt domaniale, comme ça s'appelait. C'était la forêt de Versailles. Enfin, de Vézy. Enfin. Vézy, Versailles, même Meudon, je crois. Attends, on va là parce que je vais essayer de dégommer des. Je vais essayer de dégommer des trucs là, des. Non, pas des contrats, des machins là, tu sais, des trucs qui volent là. Des... Et là. Il faut en péter 10. Et j'en ai tué, et j'en ai pété 2 moi. Ah ouais. Attends. Tu me l'as dégommé. Ah ouais. Oui, attends. Et où? Attends, j'envoie un là-haut. Fumier. Salaud. Putain. Ah putain, il est trop. Salaud. Attends. Je vais l'avoir, fumier. Eh merde. Elle est où là? Attends, mais. Ah! Salaud! Espèce de salaud! Fumier! Saleté, bah! Tu sais, il se venge, cet enfoiré-là! Il se venge! Fumier! Il se venge, ça, fumier! Il se venge parce que j'avais piqué un drone sur PUBG. Tu me rends ça, t'appelles? Fumier, ouais. Et maintenant il se venge maintenant. Il se venge maintenant, fumier. Salaud. Enfin, on y jouait. Ah, parce que monsieur n'aime pas qu'on lui touche son petit joujou. Salaud. Ah, peut-être que c'est ma compte, tu me diras, je dis fumier, c'est un compte. Oui, bon. Ouais. Je ne connais pas. Je connais même pas là. Thank you.
Et ben. Une pote. Salut Hébert. C'est fini là. C'est fini là. Y'a qui est je veux. Y'a qui est je veux. Hein. Y'a qui est je veux. Tiens, c'est bon, on n'est pas timide à ce cas. Ah bah si, voilà. Une ou un. Une ou un. Une. Utiliser, hein. Ah mais tu as dit Ah mais t'as dit Ah je sais plus. T'as dit gros TA, ça y est. Gros TA, ça y est. Tous tes amis, toutes tes copines ont l'intention de venir ou là ou... Non, c'est... Hein? Toutes tes copines ont l'intention de venir? Ah, parce que là, ça ressemble à une... J'avais pas le mot, hein, mais... Ça commence par un P, ça se finit par un U. Non. Yes. 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 J'ai entendu sa voix. J'ai entendu un peu sa voix. Ah mais... Ah mais... Il faut m'excuser, hein. C'est la chaleur... C'est la chaleur, la fatigue. C'est la chaleur, la fatigue. Des fois, j'ai une dépasse. C'est la chaleur, la fatigue. La fatigue. Oui. Ah bon. Ah là là. Oh bah le jour où t'auras comme moi ce que j'ai eu, une espèce de grand boom comme ça, comme j'ai eu hier. Ah bah moi hier ça fait boom. Et en plus de dans le ciel j'ai vu comme dans le ciel il y a du tout blanc. Le ciel est devenu tout blanc, ben, ça fait un grand boom quoi. Et là, le grand boom c'est la foudre, etc. Donc c'est... Mets-toi dans le sud, de toute façon, tu t'en fous, tu ne vois pas la caméra.
Tu sais, moi j'ai dû, faire du sport au stade de l'emploi à Auxerre. Et il faisait à peu près, il faisait aussi chaud que là. Il faisait aussi chaud que là. Et crois-moi que c'est pas facile. Hein. Oh bah moi je pense pas, donc ça va plus vite. Moi je pense pas comme ça plus vite. Hein? Qu'est-ce qu'il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit quoi? Pauvre type. Pauvre mec. Qu'est-ce que c'est celui-là? Ayez, ailé. Ah mais il y en a un qui m'a. Il a demandé à rejoindre un groupe. Qu'est-ce que c'est celui-là? C'est peut-être encore une de tes copines, non? Et t'as combien de copines parce que... Ouais, mais il m'appelle Gargamel cette fois, là en plus. Hein. Il m'appelle Gargamel cette fois. Il m'appelle Gargamel cette fois, c'est fini. Il m'appelle Gargamel des fois cette fois. C'est fini. Ah non, c'est... T'as raison. Please. Arrête, tu vas faire peur à ta. Arrête, tu vas faire peur à ta camarade, copine. Oh. Tu sais ce qu'il dit, le pingouin? Tu sais ce qu'il dit le pingouin, salaud? Tu sais ce qu'il dit le pingouin? Il dirait bien les choses, mais. Il dirait bien les choses, mais il y a une fille. Il dirait bien les choses, mais il y a une fille. Hein. Je vais m'abstenir. Salaud. Salaud. Sale ordure. Fumier. Sale ordure. Fumier. Fumier. Crétin. Déjà, Thanos, espèce de crétin, il est chauve déjà. Je suis pas chauve, moi. Pas encore. Crétin. Tête de cul, tiens. Tête de cul, hein. Tête de fesse. Hein. Tête de. Ah là il se lâche hein, ah là il se lâche hein. Ah là il se lâche hein. Il se lâche hein, fumier. Bien fait. Bien fait. Ah Maître Yoda déjà. Déjà Maître Yoda déjà il est petit déjà. Déjà. Il est petit. Vas-y. C'est ça, vas-y. Ah. Ça, allez-y, bande de fumée, bande de fumée, et ça, ah c'est bien, ah bah oui, bah on peut, ah bah oui, mais on peut pas dire des conneries puis ne pas avoir chaud, hein, c'est sûr, ouais, c'est ça, ah, mais vous vous rendez compte quand même qu'il y a une fille avec nous quand même, vous vous rendez compte quand même qu'il y a une fille quand même avec nous. Quand même. Vous rendez compte? Oh, vous savez même pas vous tenir en plus. Vous savez même pas vous tenir. Oh, je te jure. Vous savez même pas vous tenir quoi. Vous savez même pas vous tenir. Toi, écoute. Ça. Étouffe-toi, tiens. Étouffe-toi, tiens. Étouffe-toi, tiens.
prendra. Étouffe-toi, tiens, ça t'en prendra. Étouffe-toi. Étouffe-toi, tiens, ça t'en prendra. Ça t'en prendra. Étouffe-toi. Je sais même pas faire la voix pour dire. Oh, précieux! Et... Oh, précieux! Ah, c'est ça? Salut. Oh, précieux! Ouais, t'es content? Content, salut? T'es content, salut? Content, salut? Et puis même, je peux même te faire, je peux même te faire autre chose. Je peux même te faire, je peux même te faire autre chose. C'est un peu un gros. Je vais prendre celle-là. Ça, je sais faire ça. Ça, je sais faire ça, mais. Ça, je sais. Ça, je sais faire ça, mais. Mais. Précieux. Ah, par contre, c'est un peu dur, ça. Pas à voir. Mais je sais, hein, je suis pas non plus. Ah bon? C'est pas? Oh, précieux! Oh, précieux! Au lieu de raconter vos conneries, là, comment c'est qu'on n'entend pas Eva? Parce qu'elle demande si elle veut entendre, mais nous on n'entend pas. Pas mal? Ah bah c'est Maya maintenant, elle est partie. Maya maintenant. Ah vous... Vous savez vraiment pas vous tenir, franchement. Vous savez vraiment pas vous tenir. Oh, précieux. Ah, viens, viens, viens. Là, c'est au moment où je dis... Au moment où je dis... Mon précieux. Tu vois, elle revient donc. Tu vois, c'est quand même... Ouais. Ah, elle repart. Ah, elle repart. Oh, précieux. Ouais, là, c'est... Ah bon? Oula, 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 oula. Ils sont tous où, ils sont où? Ah ouais, mais... Bon, allez. Bon, allez, on fait un petit peu de... Hein? Quoi? Bah, non. Bah, je suis parti. Je suis dans le... Bon, c'était long, on fait l'année. Ah, tu vois? Et désolé à Eva, hein. Désolé à Eva. Hein. Au moins Eva, elle, c'est pas pareil. Même si on, c'est n'importe qui. Eva, on entend pas parler, mais au moins elle, c'est pas pareil. C'est ça mon con. Eva. Ça mon con, je ne connais pas. Bye. C'est ça mon con, je ne connais pas. Salut. Salut. Oh. Attends. Hop. Hop. Je ne connais pas. Ah, je te jure. Ouais, ouais mon précieux. Ah, précieux. Putain, oh non.
C'est vrai, c'est pas la bonne émission. C'est pas ma meilleure imitation, hein, c'est vrai. On se confirme ça. En plus, j'ai même pas changé de nom. N'importe quoi. C'est pas grave. Oh, monsieur! Oula. Oula. C'est un peu un moment précieux. Dans 20 vies. Non, mais de toute façon, quand tu vois le mot précieux du. Quand tu vois le... Quand t'entends le mot précieux dans le film, c'est même pas mon précieux. C'est une voix un peu plus jeune déjà, un peu plus jeune. Et c'est pas mon précieux. Je sais pas comment expliquer. Mais tu sais, à mon avis le gars qui fait ça, mon précieux, il a dû s'exercer pas mal de temps avant de trouver la bonne voix. Bah, c'est comme le Simpson. Et Simpson, j'avais vu une fois sur YouTube, que ce soit le frère ou la sœur, ce soit Emma, non pas Emma, ce soit Bart ou sa sœur. Je sais plus comment s'appelle dans les Simpson. Je crois que c'est Bart et Eva, Emma, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, les deux personnages, c'est une fille qui le fait. Aussi bien les frères que aussi bien les frères que la sœur. Quand tu vois que moi, je peux te faire une voix aiguë comme ça, tu vois, c'est. Si tu fais travailler ta voix et puis c'est bon. Lisa, voilà, c'est Lisa. Bah, Lisa et Bart. Dans... Oh, tu l'as fait bien. Hein. C'est ça. Ouais. Lisa et Bart, c'est comment dire, c'est une fille qui le fait. Moi, je pensais que ouais. Bart c'était un mec avec une fille, c'était une fille. Non, c'est. Et en Amérique, c'est une dame qui fait toutes les voix. 1757. Celle qui fait toutes les voix elle a intérêt de ne jamais avoir une voix enrouée ou une connerie parce que et dis Mister tu fais quoi toi comme voix tu sais parler comme ça te faire passer pour un petit jeune gamin. Bon, tu m'invites. C'est gentil. C'est Verity. C'est Verity, Mister. Bon, en même temps, E.T. il parle pas beaucoup. Hein. Il fait E.T. million. En même temps, comme texte, il n'en dit pas beaucoup, lui, c'est Iki Million. Non, mais je sais, je me souviens plus de sa voix, mais je sais, mais. Je sais pas si. T'as évité les jours. Oui, mais c'est bon, c'est bon. Comment il... Pardon, il n'y a pas le texte.
8 millions. Bon, bah, ça va être chaud par contre. Ah, mais je sais pas, j'ai essayé de trouver sur le. J'ai essayé de trouver sur. Je sais pas, j'arrive pas à trouver. Ah, oh, c'est sûr. Après les... C'est au-dessus, sur le tombe, ouais. Ah, ce que je sais, c'est nettoyer les... Ah, t'en as aussi sur les toits. Oui. Oh, mais c'est pour ça que... Que je voyais rien. Batman, non. Et ben, j'ai tout fait les trucs secondaires. Ah bon? Ah, parce que j'ai. Parce que. Tout à l'heure, je cherchais après. Si tu veux, t'as des trucs secondaires. Oui. Genre, c'est des mini-missions, là. Et c'est des logos rouges. Ouais. Du coup, ceux-là, je les ai faits. Après, si tu veux, t'as des cachets de Batman dans le jeu. Ouais. Bon, là, au début, j'ai vu qu'il était mort. Mmh. Est-ce qu'il est vraiment mort? Ça, je ne sais pas. C'est donc tu prends au cachet de Batman. Ouais. Genre, t'as des coffres. Et ça, les coffres, ils montent sur la carte. Mmh. C'est pareil, sur la carte, je ne te vois plus. Donc, comme on a vu, c'est fait aussi. Après, toutes les grosses missions secondaires, mettre Gold d'argile en prison, c'est fait. Ouais. Airbacon, c'est fait. Mister Freeze, c'est fait. Ouais. Le pingouin, c'est fait. Donc, il ne reste plus que les missions principales. C'est bien. Niveau compétence de mes personnages, j'ai tout presque. J'ai presque toutes les compétences de mes persos. Ah, c'est bien. Donc là, je vais voir pour mettre un autre jeu parce que. Parce que là, c'est iPhone. Pour mon temps, ma vie. Cependant, je l'ai fini le jeu. Bah ouais, mais il va falloir que tu fasses un autre jeu. Il va falloir que tu trouves un autre jeu. Quoi? Il va falloir que tu trouves un autre jeu.
Quoi? Ouais, non, mais je regarde ça en soi. T'as des bons jeux, mais ils sortent pas maintenant. Et pas avant 2-3 mois, donc. Bah, t'as des bons, c'est sur. Sur Game Pass, mais après. Après, j'ai pas des fils d'Ardenne. Mais ouais. Genre, le jeu, il reste frisé. Je sais plus si tu te rappelles ça. Oui. L'émission, ça va se friser donc. Mais je sais pas si je recommence le jeu, est-ce que ça vaut la peine parce que. À chaque fois je redémarre l'émission, bah, c'est pareil, bah, ça fait toujours. À mon avis, c'est mort. Le toit à faire. Ah ouais. Je bois un coup parce que. Je vais prendre la colle. Après tu sens un autre show ou pas? Je sais pas. Je sais pas, je vais voir. Ah, en fait, tu m'avais demandé hier si
Quand est-ce que je recommence le jeu? Il y a des mêmes ouais. Je l'ai recommencé tout à l'heure. J'ai pris voleur. Ok. Du coup, après. Tu recommences ou. Bah là, en fait, j'ai trois personnages. Et. Ouais. J'ai le nécro. Le sorcier et le sorcier et le sorcier et puis pas si tout sorcier le nécro le sorcier puis voilà nécro sorcier puis voilà. Toi, t'en commences plus après. Bah non, parce que j'ai essayé avec le comment dire le merde. Le barbare, j'ai pas réussi. Il va encore. Le druide c'est pareil, j'ai pas réussi. Donc bon, alors. C'est avec lequel que t'as le mieux. Avec lequel Avec lequel Oula. Bah avec lequel là, tu me dis. Ouais. Le truc là qui fait apparaître les. Qui fait apparaître les squelettes. C'est bien parce que tu conduis. Tu conduis pas. Bah, tu conduis pas. Tu combats pas seul. Ça c'est bien. Bon allez, hein, on va arrêter de. Hein. Je voulais voir un truc sur... Tu fais le toit ou non? Bah tout ça j'aurais du mal. T'es clé, je sais pas si ça fait beau tout aussi. J'arrive. Oh my God.
Putain, plus de batterie. J'ai téléphone avec la chaleur, ça. Non, mais la manette. Ah. Oh, même la manette. Hein. La manette avec la chaleur, ouais, ça. Ouais, j'aime mon Wichen. Ah, en plus, non seulement avec la chaleur, puis le fait d'être en groupe d'amis, ça. Ça use encore plus. Parce que moi je sais, avant que j'ai la manette que j'ai là, j'avais la manette assez ordinaire, la manette ordinaire. Je sais que moi quand j'étais en groupe d'amis, la batterie elle tenait. La batterie elle avait du mal à tenir. Quand j'étais pas en groupe d'amis, elle tenait du matin ou samedi. Et quand je. Je suis allé voir, à part chez moi. De toute façon, comme m'a dit ma mère, de toute façon, avec toutes les cochonneries qu'ils envoient dans le ciel, les fusées, les machins, les satellites, à un moment donné, il faut bien qu'un jour, hein, ça, qu'ils détraquent le. Elon Musk, là, il a le projet fou d'envoyer ceux qui ont les moyens d'aller sur la Lune. No. Et carrément, de vivre sur la Lune, carrément. Ah lui, il est complètement 5 des 8. On sait bien. Complètement 5 des 8. Ah, Elon Musk, il a racheté Twitter. Ouais. Elon Musk, il a racheté Twitter. Chapeau. Bon, d'après les experts, il a repris Twitter, mais on va dire qu'il perd de l'argent avec Twitter parce qu'il est. Twitter, ils avaient déjà plein de scandales là-bas en Amérique. Parce que. Ils ont accusé Twitter de faire de. D'espionnage, ça. De dévoiler des choses. De dévoiler des choses privées. Bon, alors. Kabonobi. Cadre d'ornement. Oh putain. Et où ça? Ah on a carrément oublié. Cadre d'ornement. Qui s'appelle pas cadre d'ornement. Cadre d'ornement. Qu'est-ce qu'ils appellent pas cadre d'ornement? Ah ouais, ça y est, cadre d'ornement. Attends, c'est. Est-ce ça, pardon? Ah oui, d'accord. Et puis là aussi.
j'avoue que celui-là, c'est le plus chiant. On va encore avoir un truc plus chiant à faire, ça va être la roue. Et c'est la roue, faudrait arrêter, faudrait... Par contre, là, à partir du 8 juillet, par contre, hein, forcément, du 8 juillet, forcément, je streamerai beaucoup moins. Comme moi, je streamerai pas, bah, là, comme je l'ai promis, quoi. Ça... Ah si, je streamerai, parce que, quand c'est fini... Ah oui. Comme c'est fini à 4h30, Et si Mobile Echo, parce que Mobile Echo à Joigny, ils sont pas très bien, ils ont pas une très très bonne réputation, parce que il y en a certains, ils sont déjà passés par eux et ils disent ouais, ils arrivent pas à l'heure, quand on dit une heure, ils sont pas là à l'heure. Alors moi je l'ai dit à ma... J'avais parlé tout à l'heure à ce qu'elle s'occupe de moi, elle me dit ouais mais non... Ouais mais les gens qui disent ça c'est parce que c'est plutôt eux qui sont pas arrivés à l'heure... Un pour cent. Sûrement déconner. Carte de donnement, c'est ce qu'on avait fait. Moulure d'ornement. C'est bon. Ah, bon. Cercle. Quatre d'ornement. Ben, c'est au-dessus, là. Ben, oui, mais...
c'est long, vache. C'est long. Ah ouais, messieurs, c'est pareil, c'est aussi, aussi long quand j'ai fait. Attends. Cadre dans le mois. Avec ça. Mais marche. Cadre de dans le mois. Attends. Cadre de poteau central. C'est bon. Marche. Ah oui, quand. Ah oui. Ok, en dessous. Ah. Alors maintenant, cadre dans le monde, c'est ça. Je vois bien. Cadre dans le monde. Mais moi, je peux. Mais moi, je me passais quoi au cadeau? Si c'est pas ça, là. T'es où? Bah, je suis aussi, hein. De quoi? Ah, c'est ça, non? Quel plan? Oh, voilà. Ah, voilà. Tiens. Ça y est, pas ce qu'on savait. Bah après, y'a quoi? La cabane ou bien la foreuse? La foreuse, puis on prend ça. On prend ça demain. La foreuse, vas-y. Je crois que c'est la foreuse où j'ai. Je crois que c'est la foreuse où j'ai galéré. Oh bon, on a fait de mal. C'est la foreuse où, je m'en suis. J'ai vraiment plus galéré. Bon, allez. Bon, j'ai fait un peu de Diablo. Tu
vas faire quoi toi? Tu peux être Dark Knight. Gotham Knight. Tu penses que tu vas le finir quand? Bonne question. Je ne sais guère, très cher ami. Oula. Hervé. Oula, je ne sais guère. C'est HA qui te fait pas comme ça. Je ne sais point, très cher. on se croyait dans un certain temps. Mais... Je ne sais pas, très cher ami. C'est de. Je ne saurais point vous dire. C'est dans le. Comment dire, dans la vie d'histoire de France que je regarde des fois, que je regarde tout le samedi. C'est des. Par exemple, tu sais, à l'époque, quand ils disaient, passe devant moi. Tu sais, quand il dit quelqu'un, passe devant moi. Puis que la personne, elle passe pas devant toi, tu dis, putain, mais passe. Ah bah, c'est bon. Ah bah, tu dis, mais putain, mais passe. Et à l'époque des rois, ils disaient pas, mais putain, passe. Il disait, vous dis-je. C'est bon, ils ont repris les trucs rouges. Les trucs rouges. Quel truc rouge? Les petites missions là. Bon dia, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, tamo aqui no nosso sul. Pra vocês, eu, Felino. Mais quand on lui. Hein? Il est encore en vie? Qui est encore en vie? Bah, y'a là. En fait, là, je ne m'aperçois pas qu'il y a une fille dans mes pots, là. Elle joue au même jeu que nous, en fait. Là, on vient jouer à Power Wash, elle joue à Power Wash. Mais je suis sûr que ce genre de fille, tu sais, si tu lui dis. Ouais, si on lui dit, bah tiens, tu joues à Power Wash, on joue à Power Wash. On pourrait pas. Parce que c'est pas. Comme c'est pas conspire, on pourrait pas. Mais de toute façon, si c'est conspire. Vu les réponses qu'on a généralement. Enfin, que j'ai moi généralement. Oui, toi. J'ai pas de chance avec les films, hein. J'ai surtout la poisse. C'est bon en plus. Ouf, c'est. Ouh là là. Ça va pas m'empêcher de dormir. Comme j'avais dit à une fille une fois, je sais plus qui, je dis aussi, ça va pas m'empêcher de dormir. Pas jouer avec moi. Alors, qu'avez-vous écrit sur ce bout de bois? Si tu préfères jouer avec des. Si tu. Je dis si tu préfères jouer avec des. Avec des caïds là. J'ai si tu préfères jouer avec des caïds, bah vas-y. Hein. Je joue avec des caïds et puis. Attendez, le vieux m'a vendu ça aussi. Il disait ne plus en avoir besoin, mais je pense qu'il sera content de la récupérer. Au fond de la maison. Ah, toutes mes excuses. Dans la.
Eh bien oui. Bon. Ah, oh, dis, c'est un chat à trait. On dirait pas, mais il fait des choses. Je crois être ici. Ouais. Bah bonne soirée et puis fait demain. Vous allez demain. Bonne guys. Salutations. Et puis moi je coûterai le violon. Hein. Pour le personnage là pour demain.
c'est bien moi. Mon attaque. Bonne main, route. Eh bien. Je vous remercie. Comment est-ce arrivé? Je ne devrais pas avoir ça dans les mains. Ça devrait être. De la retenue. Bonjour, monseigneur. De la retenue. Un arrangement que j'ai conclu. Bien sûr. Poursuivez, Sté. Bien. J'ai été séparée. Mes amis se sont fait massacrer. Seule, je ne tiendrai pas longtemps. Il me faut plus de temps.
Merci à vous, étrangers. Sans vous, je serais morte. Je devrais pouvoir me débrouiller seule à présent. Tenez, prenez ceci. Méros qui vous Alors c'est fait.
les nouvelles recrues de la milice. Bien joué. Merci. Bon. Good.
dans deux minutes, quelle aura votre âme. Je ne suis pas prêt. Une hache.
Bon, allez, je fais ça et puis après, j'arrête. J'ai été séparée. Mes amis se sont fait massacrer. Seule, je ne tiendrai pas longtemps. Yeah.
endroit devait être signé. Meilleures armures des pics. Bien, qu'avez-vous d'autre? C'est d'accord. Oui. Oui, mais c'est celui de passer. Puis voilà.